De Porto Novo. En vos rangs, grades et qualités, toute forme de préscience respectée, je vous salue. Je suis le prophète Néhémie Touré-Zéguen, président du mouvement social panafricain pour le développement intégral, directeur de publication du site panafricain africanewsmultimedia.com. Je prie que nos échanges soient fructueux et nous rapprochent davantage vers un monde meilleur. Le thème que j'ai voulu traiter se rapporte à notre stratégie de lutte globale dans le mouvement de réparation face aux autres luttes de libération
du joug colonial en Afrique, d'une part, et face aux différentes religions, d'autre part. Dans notre lutte présente pour les réparations dues à l'Afrique, suite aux méfaits de l'esclavage, il est important de relever des points saillants, souvent ignorés ou minimisés par les leaders, les activistes et intellectuels africains ou internationalistes. Il s'agit de lier cette question de la réparation avec 1. Les luttes actuelles de libération du joug impérialiste et de démocratisation menées par nos peuples. Et secondo, la prise en compte des religions africaines, chrétiennes et musulmanes et leur influence dans nos sociétés africaines modernes de la diaspora pour mettre en synergie toutes nos forces et atouts non négligeables dans la quête de notre victoire finale. De la question de la réparation et lutte souverainiste en Afrique. En effet, si nous prenons en compte le fait que les rapports de force actuels entre l'Occident et l'Afrique penchent du côté des esclavagistes et colons qui dominent donc toutes les institutions internationales des droits de l'homme, de justice et de paix, il va sans dire que la véritable justice sera possible que lorsqu'il y aura un équilibre de force en présence à l'ONU et dans les autres juridictions internationales ayant pouvoir de décision universelle. Pour arriver à cet équilibre des forces en présence, il n'existe d'autre voie pour les pays africains que l'obtention de leur souveraineté et l'unité continentale qui vont leur conférer la capacité réelle de rivaliser avec les grandes nations occidentales qui ont toujours imposé leur dictat. C'est pourquoi nous proposons que les peuples africains et leur diaspora intègrent urgemment dans leur stratégie de réparation, les luttes souverainistes, démocratiques et surtout panafricanistes. En effet, une Afrique libre et unie est l'unique gage de puissance et de prospérité pour les Africains de demain. Et une Afrique forte ou puissante seule peut exiger justice, donc réparation pour les Africains du monde. De la nécessité d'impliquer les religions africaines, chrétiennes, musulmanes dans la lutte pour les réparations en Afrique. En effet, autant il est important de comprendre que notre souveraineté et notre unité panafricaniste demeurent les véritables garanties et de la prospérité et la justice universelle favorable aux Africains, autant il est important de prendre en compte la mobilisation et l'implication d'une frange importante, sinon majoritaire, d'Africains adeptes des religions chrétiennes, musulmanes ou africaines, et bien que nos cultes africains et bouddhistes. Personne ne peut faire le bien d'un peuple sans l'implication véritable de ce peuple lui-même. Mieux, il est important de remarquer la force mobilisatrice et l'influence des religions dans notre continent africain. Partant de ces faits, si nous voulons accélérer la mobilisation sur le terrain, il nous faudra percer ces milieux, aussi dans la base que dans leurs élites, afin de drainer ces foules. Immenses qui ont toujours été ignorées et mises à l'écart par nos stratégies sectaires ou restrictives. Il s'agira pour nous de percer l'abcès en dénonçant les combats d'arrière-garde qui consiste à mener des débats stériles, sinon improductifs, sur la légitimité ou non des religions révélées. Il ne s'agit pas de choisir pour nous peuples les religions qu'ils doivent pratiquer, pour nos peuples les religions qu'ils doivent pratiquer. D'abord, avant de les inviter au combat collectif. Mais plutôt, il s'agit de les inviter au combat de libération. Chacun selon ce qu'il est et ce en quoi il croit, afin qu'ensemble, dans une synergie, nous nous libérions des puissances financières et économiques ultralibérales qui nous manipulent tous les uns contre les autres. En conclusion, tactiquement, voici les deux grands axes sur lesquels je voudrais insister en les soumettant à votre attention.
afin de corriger certains tas de nos luttes passées et de notre combat actuel. Le combat des réparations dues à l'Afrique est une urgence, mais il devra être intégré au front global de libération de notre continent, car le sort des Noirs ou des hommes d'origine africaine demeure le même partout où nous nous trouvons. Notre monde est fondé sur une civilisation d'injustice, de violence, d'exploitation et de barbarie qui profite qu'aux riches occidentaux et leurs collabos minoritaires de toutes races éparpillées à travers le monde, au détriment de la majorité écrasante, divisée, exploitée et fragilisée depuis des siècles et des siècles. Nous sommes tous des enfants de Dieu qui nous aiment sans exclusion aucune. Mais notre libération se trouve dans nos mains, car même nos oppresseurs sont aussi des enfants de ce même Dieu de justice. Dieu juge nos actes, mais ne vient pas pour lutter à notre place, pour ne pas nous rendre inconséquents, incapables, irresponsables et paresseux. Notre foi devrait continuer à constituer une force motrice et non d'endormissement collectif. Notre foi est libératrice. Vive la libération africaine, vive la lutte pour la réparation des crimes de l'esclavage. Que Dieu nous bénisse tous. Je vous remercie.